Eh bien, salut à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Et donc, ce soir, au vu de ma vidéo test de Street Fighter 2 PC Engine qui a bien marché, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous tourne pour bientôt la vidéo gameplay sans prise de tête. Et donc, on va enchaîner sur ce jeu. Alors, je vais le faire en niveau 4, hein, je vais rester niveau 4. Parce que là, je joue avec une manette de boutons. Hein, donc je joue avec la PC Engine, je suis pas en émulation. Je vais essayer de vous faire un 1CC comme on dit, mais je vous garantis rien. Vous allez voir de toute façon que je joue sur les trois boutons, puisqu'il faut que j'appuie sur Select pour changer entre les pieds et les poings. Hop. Franchement, ce jeu est complètement hallucinant quand même. C'est graphisme de ouf pour une 8 bits. C'est hallucinant. Alors là, j'ai un problème avec ma télé, c'est que j'ai la télécommande qui est cassée. Du coup, je peux plus changer le ratio d'image. C'est la merde. Attends, fait que je teste un truc. Alors là, le problème que t'as, c'est que en plus, tu ne peux pas faire pause. Alors ça, c'est un petit peu le désavantage, parce que du coup, tous tes boutons sont utilisés. L'autre jour, j'avais envie d'aller faire pipi, tu vois, pas moyen de faire pause. Truc de dingue. Putain. Allez, fait que je vois un truc, faut que j'appuie sur un bouton. Pour voir sur ma Péritel, parce que j'ai un bouton RGB, bon apparemment il change rien du tout. Des fois il fait des petits bugs sur l'image. Bon c'est bon, je suis là. Hop. Oh là, en plus, sur l'écran LCD, les mecs, hein. Enfin, LED, putain, je confonds tout chaque fois, LCD, LED, pas LED. Mais franchement, ça sort super bien, hein. Je passe en... Ben, avec la sortie originale de la console, hein, c'est-à-dire en vidéo composite. Y a pas de... Y a pas de convertisseur HDMI ni rien, hein. Oh, c'est quoi ce délire, il m'a volé le truc. Franchement, la manette, eh ben, elle répond super bien. Hein. C'est une manette NES un petit peu finalement en meilleur, hein, parce qu'elle a les côtés arrondis, du coup, elle est pas... Parce qu'elle a les côtés carrés sur la NES, la manette, et ça gêne au bout d'un moment. Là, tu tiens vraiment une bonne prise en main. J'aimerais bien trouver quand même une manette 6 boutons, mais bon, c'est tout, c'est le prix d'un jeu, tu vois. Franchement les gars, sans déconner, cette version, si je te jure, elle est vraiment impressionnante. Hein. Après, j'aimerais bien essayer en émulation. Faut que j'arrive à trouver le Fatal Fury 2 aussi, parce que j'avais testé le spécial sur cette machine qui est en CD-ROM. Je sais pas ce que valait le 2. Parce que le 2, on va en parler prochainement. Peut-être que vous avez déjà vu la vidéo le temps que celle-ci elle sorte. Avec Nojo Spirit sur la version Super Famicom. Du coup, j'ai vraiment testé. J'ai voulu tester la version Mega Drive et la version SNES. Alors la version Mega Drive a vraiment un avantage. C'est qu'en fait, elle a un bouton, une option, où tu peux avoir le jeu, tu peux le mettre soit lent, soit normal, soit rapide. Et c'est vrai que la rapidité joue beaucoup pour le gameplay, mais sinon, graphiquement, t'es plutôt sur... c'est un Super Nintendo qui va l'emporter.
Enfin bon, après, les deux versions ont leur truc. Par contre, sur Super Nintendo, oui, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'option de turbo. Du coup, il est vrai que le jeu est un petit peu plus lent que la version spéciale, quoi. Enfin bref, on avance. Alors là, il faut bien mettre le pied. Ah merde, quand j'ai appuyé sur le bouton, hop. En tout cas, c'est plus facile à switcher sur cette manette-là que sur la manette Mega Drive. Où tu as le bouton Start qui est au-dessus des trois boutons. Là, tu l'as quand même à portée de la main gauche. Parce que c'est le bouton Select ou Start, je sais plus. Je vois plus dans le noir, je crois que c'est Select. Enfin, le bouton de gauche qui est allongé. Qui te cherche, qui te sert à changer des points et des pieds. Franchement, c'est cette console, si elle avait été un... Ils auraient dû faire un pack Street Fighter 2, en fait, sur cette console. Je pense que ce serait un pack Street Fighter 2 avec une manette 6 boutons, quand même, ça aurait pu faire mal à Nintendo. Mais bon, elle était déjà un peu mal barrée, hein. Ça marchait pas super. Ah, ça manquait de communication, hein, sur cette machine. Oh putain. Alors c'est vrai qu'il faut vraiment prendre le coup, parce que des fois tu es habitué à Street Fighter 2, quand tu as joué sur Super Nintendo, à passer des pieds au point très rapidement, à mélanger un peu, à faire des, on va dire, vite fait des combos, quoi. Là après, une fois que tu prends le coup, ça va. Mais vraiment, sur cette console, il y a eu de tout, quoi. Tu as eu des jeux vraiment qui font 8 bits, hein. Attention, hein, parce que pas non plus que des jeux hallucinants. Mais t'as des jeux qui sont vraiment bien portés. Je te demande comment ils ont fait, en fait. Il est plus vite, je le tue, c'est. Après, je crois qu'il y a quand même des petits compromis. Peut-être sur le décor, des petites choses qui ont jarté, où il y a une autre manière en fait de l'appréhender. Mais bon, c'est quand même assez bluffant. Faudra voir les trois écrans et comparer les trois versions entre Super Nintendo et Mega Drive et celle-ci. Mais bon, Mega Drive, pour moi, la bonne version. Ce jeu, c'est la version qui a été hackée dernièrement, sur laquelle on a fait une vidéo, et Ubenchout aussi qui en avait fait une. Sur ce arc, c'est complètement hallucinant. Là, tu peux dire que la version Mega Drive du Super Street Fighter 2 qui a été hackée, eh bien, là, elle rivalise sans problème avec la version Super Nintendo. Après, ben, sur PC Engine, il n'y en a pas eu. Après là, si tu écoutes bien, tu entends effectivement qu'au niveau son, bah, selon les stages, c'est pas hyper pareil. Ça passe, tu vois, mais c'est pas aussi propre, c'est pas aussi net. Je pense qu'après, ouais, il faut pas faire mieux. Hein. Si, ils auraient pu faire mieux, en fait, s'ils avaient fait une version CD-ROM. C'est vrai, c'est d'ailleurs, c'est fou, c'est que, en fait, ce jeu-là, il est sorti avec sa cartouche 20 mégas ou 24 mégas, je sais plus. Et après, tous les portages SNK et tout de combat que tu vois, ben en fait, ils sont pas en MK, ils sont en CD. Au niveau des couleurs, ça me paraît assez bien respecté quand même. C'est proche, même si c'est pas exactement ça. Oh putain, il va me casser la bouche lui. En tout cas, le jeu, tu sais, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le même. C'est-à-dire qu'il réagit vraiment pareil que la version Super Nintendo. Après, je parlerai un petit peu moins de la version Mega Drive. Parce que j'ai un peu moins joué, du coup, parce que la version Mega Drive, bon, j'avais moins accroché. Mais c'est vraiment la même IA, quoi. Putain.
Ah, ce serait dommage de perdre. Des fois, le problème que tiens, c'est que tu sais plus si t'es sur pied ou sur point. Et ça, c'est par contre un peu chiant. Ah, mine de rien, on avance pas mal, hein. Bon, ce serait bien que ça fasse une petite vidéo de 20 minutes quand même. Non, il reste encore assez de perso, je pense. Ouais. Remarque, tu sais, je suis pas à l'abri de me perdre 10 continues d'un coup à la fin ou je sais pas quand. Oh putain. Oh putain. Ça commence le problème. Tiens. Oh! C'est rare que je le vois dans celui-là. Ça fait quelques fois que j'y joue. J'avais jamais vu. D'ailleurs, je sais plus comment on la faisait, si c'était juste au hasard. Oh putain. Ah. Enfin, c'est le stress parce que tu dis qu'est-ce que je fais? Je mets le pied, je mets le point, vite, faut changer. Moi, ça vous a fait un bel aperçu de ce jeu. J'étais surpris d'ailleurs, hein. Merci à vous tous, hein, parce que la vidéo, franchement, elle a fait des vues, c'est hallucinant. Je me suis demandé s'il y a quelqu'un qui l'a partagé. Parce que moi, sur ma chaîne, quand je fais 100, 150, 200 vues, c'est le maximum, tu vois. Là, elle a dépassé les 600. Je me suis dit, il y a un truc, c'est pas possible. La dernière fois que j'ai fait des bonnes vues, c'était parce que DigiX avait partagé Metal Slug X. Ou sinon, c'était sur une vidéo de Last Blade 2. Il y a quelques vidéos sur la chaîne qui ont vraiment bien marché par rapport à d'autres. L'Arcade Stick Pro, par exemple. Je crois qu'il a fait quasiment 3000 vues, mais je sais pas pourquoi. C'est complètement dingue, YouTube va comprendre. En tout cas, ça fait super plaisir. Alors... Allez, Chun-Li. Après, il faudra arriver à le battre en level 8. Mais je t'avoue qu'en level 8, avec deux boutons, c'est chaud. Hein. Sur un Super Nintendo, je l'ai fait. Hein. Mais alors, là... En fait, sinon, il aurait fallu, tu sais quoi? Juste, tu te démerdes d'avoir un bouton, le pied fort et les points forts. Tu te démerdes comme ça, franchement, tu y arrives bien. C'est vrai, hein. Mais après, ça peut enlever du gameplay aussi, parce que tu fais plus les boules lentes au cas où pour que l'autre tombe dessus, tu vois. Oh. Je comprends aussi cette... optique. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui connaissent la manette ces boutons, dites-moi si elle est vraiment bien maniable et tout. Si avec les boutons, c'est pas trop la galère... T'en mets pas les pinceaux. En tout cas, pour la manette 6 boutons Mega Drive et Saturn, elle est bien. Hein. Oh, lui, l'autre fois, il m'a fait perdre. Là, j'ai refait une partie. Il m'a rendu dingue. Lui, dès qu'il s'y met, c'est foutu.
Je pense qu'à l'époque, si on nous avait mis ce jeu-là et qu'on a vu la Super Nintendo en même temps et qu'on aurait vu la PC Engine, franchement, on n'aurait pas fait gaffe à tout ça. Hein. On aurait pensé avoir le même jeu, tu sais. Nous, quand on était petits, que tu disais sur la Super Nintendo, c'était l'arcade, mais en fait, on savait pas, on captait pas la différence, nous. Hein. Aujourd'hui, ouais, quand tu revois l'arcade, tu dis ouais, quand même. Hein. C'est quand même pas pareil, c'est sûr, hein. C'est un autre niveau. Mais bon, c'est quand même beau ce qu'ils ont fait d'avoir sorti ce jeu-là. Oula, par contre, attends, faut... Alors ça, par contre, moi, c'est l'angoisse, celui-là. Ah, pied. Chaque fois, je me démerde d'en louper un. Et après, ça part en couille. Mais c'est bon, j'ai fait les 20. Oh, c'est rare que ça m'arrive, ça. J'ai toujours un qui part en cacahuète. Genre, des fois, c'est sur la fin, des coups, tu oublies les 3 derniers, tout ce truc à la con. Allez, Spain. Alors là, justement, tu vois les noms japonais, quoi. Les vrais noms, c'est pas Vega, quoi. Lui, mais des fois, il m'a rendu malade. Hein. Je me rappelle. Sur Super Nintendo, quand tu relèves lui, tu rends fou. Putain. Ah, quand tu fais que ça, après tu deviens dingue. Je sais plus comment je faisais pour le crever. Ah ! Ouf. C'était tendu là. Tendu. D'ailleurs, je me demande en arcade à quel niveau c'était. C'était level 4 ou level 6. Elle devait pas mettre 8 quand même. Putain, j'ai pas réussi à faire la boule. Oh là, il m'a mis dans les. Voilà, je sens que lui il va prendre ce round. Hein. Non. Ah, ça sent pas bon là. Ça sent pas bon. Putain, j'aimerais bien y arriver sans perdre un continu, tu vois. Je suis con, je vais te changer. Oh putain. Oh, ça pue, mais grave! Ah, je peux aussi en sortir en boule! Franchement, c'était chaud! La pression, les mecs! La pression! Bon, ben voilà, il reste Sagat, disons. Enfin. Oh putain. Oh, lui, c'est une chiasse, lui. Celui quand il s'y met, putain, qu'il se casse les couilles. Ouf. Là, tu vois, normalement, je. Sur Super Nintendo, j'envoie un pied, j'envoie pas le poing. Là, j'avais pas le temps de changer, c'est chaud. Attends, je suis sur les pieds, là. Bon, lui, il y a moyen que je lui casse la bouche. Moi bon, j'avoue que level 4 quand même, c'est pas si dur. Hein. C'est juste le changement de bouton qui peut te mettre en difficulté en fait à un moment donné.
Bon ben voilà, si j'arrive à le battre du premier coup. Ben, Vega, putain, pourquoi je dis bizarre là. Ça me rend fou, je sais plus qui est moi. Bison, c'était le box. Ouais, même pas la version japonaise, la version Europe, putain. Oh, ça m'aimé. Je ferai une autre vidéo en niveau 8 pour rigoler. Ou alors à la suite de cette vidéo, s'il reste du temps, je vais tenter un niveau 8. On va voir direct la différence. Oh, la patate qui te met le. Entre les parpaings, tu les as dans ce jeu. Hein. Oula, c'est lui ou moi là. Et c'est moi. Putain. Ça, comme ça rend fou. Ouais, tu vas voir que là, il va me niquer. Je le sens, je sais pas pourquoi. Non, me fais pas ça, vas-y. Oh, comme il. Ah, ça y est, il est à fond là. C'est foutu pour toi, mec. Bon, moi je vous propose. On a 20 minutes de vidéo. On va s'envoyer un petit level 8 pour voir un petit peu jusqu'où je vais en level 8. Les fins à la Capcom. Sur Super Nintendo, c'était exactement comme ça, je sais plus. Oui, il y avait ça, ça je me rappelle. Allez, hop. Chut, allez, c'est bon. Bon, les arbres, c'est bon, je les connais par cœur. Ah putain, je me sens pas de me lever. On va aller. Les gars, vous la connaissez tous la fin, c'est pas grave. On va faire un reset. Enfin, il n'y a pas de reset sur cette console malheureusement. Et on va s'envoyer le level 8 pour voir vraiment la différence. Hop. Allez hop. Ah ben ça commence encore par Zangief. Je pense qu'on va très vite voir la différence. Et ça va calmer la gueule. Là, c'est ma réputation qui est en jeu. Wow. Wow. Wow, comme ça fait mal. Maman. Wow, putain. Des fois c'est un petit peu. C'est pas la croix de la SNES quand même, hein. Tu vois, des fois tu finis pas bien ton quart de cercle. Bon, on voit quand même que voilà, c'est plus pareil là. On est qu'au premier match. Ouais, on va rigoler. Donc là tu vois que ça la barre de vie elle tombe beaucoup plus vite. Hein. Après si j'ai assez de batterie sur la caméra je vais jusqu'au bout mais là je sens qu'elle commence à, en fait, à vieillir cette caméra. Je suis pas sûr d'arriver très loin. On verra. On va jusqu'au bout. Ouf. Alors on fait un truc, si je perds un continu, on arrête là, je sais pas, on verra. Allo, fini. Jusqu'où je vais.
sans perdre de continu. Hop là! Vas-y, tiens, je joue à la chaîne, là t'es obligé. Ah, tu vois, alors il faut l'envoyer une plus lente. Ah putain, elle est pas assez lente celle-là. Le mec. Oh putain, elle était trop rapide encore celle-là. Allez, vas-y, on voit vite. Oh putain. Oh putain, la patate. C'est un timing, tu vois, faut bien viser. Allez, on va essayer ça. Oh putain! Ah ça pue! Qu'est-ce que ça pue! Oh putain! Les problèmes arrivent! Oh là là là! Oh putain! Putain, ça va mal! Oh putain, je sens que je vais perdre sur lui. Ah, c'est très très mal barré. Ah, tu sens le level 8. Hein. Bon, moi je dis, on va pas s'arrêter là, on va essayer encore un petit peu. Ah, il n'y a pas une autre couleur. Ah, voilà, je le prends en couleur custom. C'est vrai que dans celui-là, il y avait deux couleurs, je crois. Oh merde, c'est sur les pieds, tu vois? Putain, là je voulais faire dans Yukon comme un connard. Dans Yukon, non, dans Yukon, putain. C'est celui-là, dans Yukon. Ah putain, attends, je suis sur quoi? Ah putain. C'est chaud, franchement c'est chaud. Merde, je suis encore sur le pied. Ah, je suis dans les vapes en plus. Non mais là, ça va plus, là. Oh, l'enculé. Je me fais savater. Non, putain. Ah non, je me suis trompé, putain. J'appuie sur Select, mais con. Bon, j'ai envie de retenter encore un coup. Me décourager comme ça si vite. Il reste encore un peu de batterie sur la cam. Ça va être depuis que j'ai la fibre maintenant. Si pour faire des vidéos comme ça, qui vont peser 3-4 gigas en fait, ben c'est un plaisir pour les uploader. Avant ça, je mettais des fois des grosses vidéos comme ça, 3-4 gigas, je mettais 6-7 heures quoi, avec la DSL. Donc je me rabattis sur un format de vidéo plus petit, obligé, parce que c'était trop la misère. Oh putain, et puis des fois t'avais des bugs de upload, machin, pff, ça rendait fou, fallait recommencer, putain. Allez, je vais te bouffer les gueules. Donc. Oh putain, j'ai mal. Oh
Ah. Tiens, vas-y. Oh non. Oh putain, le temps. Oh putain. Bon, on va le battre ou pas? Putain, j'en peux plus. Pied ou poing? Pied. Oh putain. Voilà, c'est bon. Ah, oh, je voulais le prendre. Ah, oh, il est pas mort, j'y crois pas. Ah, oh, il y a peut-être moyen de le battre là. Oh là là. Le mec, il souffre sur Street Fighter 2 quand même, c'est la honte. Merde, j'ai pas les points, sa mère. Ah, chier. Non, c'est pas possible, sérieux, là. Ah, j'ai loupé le pied. J'y crois pas. Ah, je peux pas perdre comme ça, je te jure. Oui, je l'ai tué. La batterie, 38 minutes, je reste, mais elle part en couille. Il y a 5 minutes, il y en avait encore 45, tu vois. Enfin, 50 même. Ah, j'espère qu'on va y arriver. Jusqu'au bout. Faut tracer. Putain, il reste plus perso. Enfin, 10 persos. Oh putain, il va me faire mal, je le sens. Oh putain, le con. Il y avait une technique comme ça dans cette Zangief que j'ai fait. Wouah, les baffes qui te met lui. Ah ouais. Là tu vois de suite que la vie, ben voilà. Elle prend la gueule. Hein. Ah non, c'est qui, putain. Technique de PD, tu sais. Ah non, ça c'est pied, putain, je sais plus où j'en suis. Pied, point, pied. Vas-y, range-toi ça. Ah putain. Ah là il faut gratter hein, tu peux pas faire du. Oh putain. Tiens, putain les parpaings. Non 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 non. Oh tu as vu la vie qui t'enlève quand tu te fais une prise. Oh putain. Il me fait peur là. C'est quoi ce truc de fou là? Il a bugué ou quoi? Non, il a pas bugué le camp. La pression quand il s'est approché. Heureusement que je fais la vidéo à un moment où il fait plus aussi chaud que qu'il y a
quelques temps là en été où on crevait, c'est un truc dingue. Ouf. Je l'ai arrêté de justesse. Hein. Oh putain le con. Wow. Oh comme il fait mal lui. Blanca il était beaucoup moins hantise hein, sur un splint tellement. Te fait ses roulés boulés là. Bon, level 8 pour l'instant, ça va, c'est quand même prenable. Oh putain ça mémé. Ah le con. Non 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 attends. Oh putain. Et alors il fallait que je change le pied là. Ah non, non, non. Putain, j'ai pas réussi à sortir la boule. Oh là là, non, 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 il va me crever, non, non. Non. Ah, j'avais moins bien de ce côté à faire les boules, putain. Bon, on se retente un coup. Tant qu'il reste de la batterie, allez, vas-y. On s'en fout, on y va. Ça fera une vidéo d'une heure, tu sais. Ouais, enfin, il reste encore beaucoup de bons. Hein. Merde, j'ai changé de bouton, putain, quel connard. Oh putain. Ah putain. Ah des fois les coups, tu crois qu'il va rentrer, mais non, que dalle. Putain, faut pas que j'aille à droite. Je les rentrerai pas bien les Hadoken. Ah putain. Oh non. Ah, c'est foutu là. On me crevait. Ah ouais, t'en as vu. Là par contre le niveau 8, on a fait une prise quoi. C'est un tiers de la vie quoi. Bon moi je dis on retente un coup quand même. Si moi après ça coince, bah, j'arrêterai. Ah c'est vraiment utile d'avoir un manette 6 boutons sur ce jeu parce que. C'est pouvoir vraiment poncer la manette comme ça quoi. Putain. Tu vois, tu mets d'entrée sur pied, c'est un truc de dingue, hein. Oh putain, on m'a dit que ce côté-là, c'était pas bon. Ouah, c'est un peu le côté là. Putain, il y a tous les contres, enculé. Oh putain.
Là, il faut être un peu sadomaso en fait pour voir ce jeu-là. En level 8 sur PC Engine avec une manette de boutons. Tiens, dans ta gueule. Laisse-moi te prendre le rang, enculé. Ah, un petit espoir de le battre. On a combien, 25 minutes sur la cam? On n'arrivera pas au bout, c'est sûr. Allez, c'est bon, on va se faire plaisir. Ça, tu vois, tu te dis, est-ce que je fais pied, je fais point? Oh, ta race! Oh, non, mais là... Bon, les gars, je crois qu'on va arrêter là, en fait. On va arrêter là, ça fait une demi-heure, plus d'une demi-heure. Je vois que la batterie, elle est en train de tomber à vue d'œil. 23, 22... En 2 secondes. Bon, ça fait une vidéo de 40 minutes, quand même. J'espère qu'elle vous aura plu, les enfants. Puis ben, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.